ses rubis, son nouveau stylet sorti. Venez entrer et puis admirer ses couleurs stylées et ses looks rêvés. Ayez les sabots limés, le poil brossé, la crinière soyeuse et démêlée. C'est bien rythmé, c'est bien rythmé. Qui peut rester assis quand c'est si cadencé? Sans faire trop d'efforts, votre look frappera fort. Vous n'aurez aucun remords quand vous passerez la porte. Oui, c'est nouveau, c'est trop bon. Faites votre choix, tout sera génial, idéal. Oh, croyez-moi. Gentil commentaire. Merci beaucoup, Posy. Bien, qui est la suivante? C'est moi. J'ai entendu dire qu'elle avait fermé sa salon, Posy. Commentaire. C'est toi la nouvelle styliste de la ville? C'est bien moi. Bienvenue au salon Mélo. Oh, j'imagine déjà l'échec. Alors, qu'est-ce que je vous fais comme coiffure? Surprends-moi. Tu sais, cet endroit abritait un restaurant jusqu'à ce que je le fasse fermer. Il s'appelait Pizza à volonté. Pitié. Oui. Avant ça, c'était une boutique de mode fantaisie pour Polish. Encore avant, le café et poterie Polimino. Oh, et encore avant ça, un salon de coiffure craint d'aujourd'hui. Il aurait plutôt dû s'appeler Fermé demain. Oh. Oh non, de la nourriture sur mon visage. Ce sont des fruits. Et ils sont très efficaces pour gommer toutes les vilaines rides. Ruby, enfin tu es là. Il faut que tu reviennes au salon. Je peux pas. T'as vu ce qui s'est passé? J'ai rasé un gros morceau de sa crinière. Qui est la grande styliste maintenant? C'est toi. Tu l'as toujours été. Et tu le seras toujours. Tu as rasé à blond un petit morceau de crinière? Pas grave. Regarde cette confiance que tu apportes. À tous les habitants de la baie, tout ça, c'est grâce à toi. C'est vrai. Hé, belle crinière, Posy. Oui, c'est vrai. Et puis, il y avait le musée d'histoire contre nature du Sabot, le trampoline park ouvert 24 heures sur 24, et puis l'arbre d'or du Savoie. Oh! Oh! Que j'avais. Et c'est exactement ce que je voulais. C'était incroyable, Ruby. Je savais que tu réussirais. Merci d'avoir assuré mes arrières, Sunny. Et merci d'être toujours là pour moi, Zip. T'es la meilleure des sœurs qu'on puisse... Ah! Vraiment? Tu m'as jamais laissé coiffer ta crinière avant?
Nom de bigoudi, j'ai toujours pensé que tu serais absolument superbe avec des boucles ou attends, une longue crêpe ou peut-être avec d'autres couleurs ou bien, attends, que dirais-tu si je te faisais des couettes? Gentil lapin, fais le gentil, gentil lapin. Gentil lapin, fais le gentil, gentil lapin. Remonte les pattes, puis glisse les plus loin et remue ton popotin. Penche-toi en avant, puis tu te redresses. Les amis, il est trop génial! C'est le hip-hop lapin hop. La nouvelle danse à la mode. Elle a déjà au moins 1 million de sabots en l'air. 1 million de sabots en l'air? Il n'en faut que 4 au sol. D'accord, public exigeant. Il faut absolument qu'on essaie. Les petits rubis l'attendent avec impatience. Et 5, 6, 7 et 8. Il suffit d'écouter la musique, de sentir le rythme et, le plus important, d'être soi-même. Gentil lapin, fais le gentil, gentil lapin. Gentil lapin, fais le gentil, gentil lapin. Les pattes, puis glisse les plus loin. Et remue ton popotin. Penche-toi en avant, puis tu te redresses. En tournant, montre-moi ton adresse. Wouhou! Avec du style, hein? Non, coupez, stop, arrêtez. Ouais, tu peux filmer. Je ne peux pas filmer ça. On est à des années-lumière des lapins. Regardez, il faut faire comme ça. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai dit, est-ce que vous êtes prêts? Alors dansons, oui dansons. Gentil lapin, fais le gentil, gentil lapin. Gentil lapin, fais le gentil, gentil lapin. Je crois qu'il est l'heure. J'ai quelque chose à faire, tu te souviens? Sunny, je t'en avais parlé, tu sais. Oui, je me rappelle très bien. Et j'étais censée venir t'aider. Moi aussi. Et je ne trouve aucune excuse, mais je file. Bonjour, Jazz, j'adore ta sabocure très jolie. Oh, waouh, merci. Je viens juste... Et donc, je me demandais si tu pouvais m'aider pour une vidéo incroyable. Et 5, 6, 7 et 8. Allez, les poneys. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai dit, est-ce que vous êtes prêts? Alors, dansons. Oui, dansons. Voilà. Je n'ai pas besoin des autres. Je peux très bien le faire moi-même. Jazz. Je pense que c'est bien, mais... Ça date au moins de la semaine dernière. Quoi? Est-ce que tu vis dans une grotte? On n'est pas perdu. On ralentit juste un peu. On vit une vie débranchée. Pas de canternet? Alors, plus personne ne danse le hip-hop lapin-hop? Non, on attend la prochaine grande révélation. La prochaine grande révélation, hein? Allez, les poneys. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai dit, est-ce que vous êtes prêts? Alors dansons. Ouh. Oui, dansons. Ça, ça pourrait être la prochaine grande révélation. Partage-la. Et partagez. Penche-toi en avant, puis tu te redresses. En tournant, montre-moi ton adresse. Tu resplendis. Sabot en l'air. C'est le poney hip-hop. Le gentil poney. Gentil poney, fais le gentil gentil poney. Tous ensemble, tous unis. Frotte ton rythme, tu verras comme c'est joli. Gentil poney, fais le gentil gentil poney. Gentil poney, fais le gentil gentil poney. Sabot en l'air. Tous unis, soyons brillants. Et c'est parti. Gentil poney. On a l'air. Je n'ai jamais vu autant de sabots en l'air. Je parie que tous les poneys d'Equestria l'ont visionné. Allez, les petits Ruby, tu seras Sunny, tu seras Izzy, et moi je serai Ruby. Pourquoi vous ne seriez pas juste vous-même? Oui, très bien, c'est super. Allez, tout le monde me suit.
maintenant que je suis une icône. Allez, on tient. On tient. Oh, c'est une vidéo géniale. Je suis un Pégase à la page. Calme et tranquillité sont mères de création. Qu'est-ce que tu fais, Ruby? Oh, les amis, je fais un montage pour mon vlog La Fête de la Baie de Porpona. Génial! C'était tellement spécial. Je cherche un moyen de m'en souvenir pour toujours. En plus, ce sera super pour mon ponégramme. Et regardez, j'ai des bêtisiers. Dans les coulisses. Je ne regrette rien. C'est même le moment où les poneys terrestres ont utilisé leur magie. Bien joué, Sorette. Waouh! C'est comme si tu faisais un collier de marguerites. Mais à la place des marguerites, ce sont des images carrées qui gigotent. Exact. Mais ça m'a pris toute la journée pour faire ce montage. Alors essaye de... Il y a tellement de souvenirs. Je me souviens de ça. Ça aussi. Attention, Izzy, tu vas appuyer sur... Fichier supprimé. Le bouton supprimé. Ne t'inquiète pas, je sais comment arranger ça, il faut taper sur les touches. Fichier supprimé pour toujours. Je vais encore taper sur les touches. Izzy, non! Je suis désolée, Ruby, mon sabot a glissé, puis le bouton a glissé, puis les images carrées ont glissé dans la poubelle et puis j'ai... On recommencera l'année prochaine. Pas de soucis, tout va très bien. Je crois que je vais juste... aller faire une sieste. C'est horrible. Tu peux entrer. Hey, regarde, c'est moi, Ruby, la Pégase la plus iconique de la baie de Porponais, avec une chanson dans mon cœur et une étincelle dans les yeux. Est-ce que quelqu'un a commandé un smoothie géant marbré à la fraise avec des ailes de chantilly? Que dirais-tu d'une danse de réconfort? Merci, les amis. Mais rien de tout ça ne ramènera la fête de la baie de Porponais. Ramener la fête de la baie de Porponais? J'ai trouvé! Allez, les amis, suivez-moi! Sunny, va d'abord prendre une douche. Génial. Ruby, viens dans le jardin, on a quelque chose à te montrer. Comme tu le vois, je suis très occupée à construire un château de sable. Allez, viens, fais-moi confiance. Écoute, à moins que vous ayez recréé la fête de la baie de Porponais dans le jardin... Oh, vous avez vraiment recréé la fête de la baie de Porponais dans le jardin! D'émotion. Comment avez-vous réussi à faire ça? Eh bien, on avait de très beaux modèles pour nous guider. Tiens, comme ça, tu peux le filmer à nouveau. Merci, Zip. Mais vous savez, je crois que je devrais plutôt profiter de cet incroyable moment avec mes amis les plus incroyables du monde. Et un, deux, trois, musique! Oui, c'est nouveau, c'est trop bon. Mets-le.
a explosé dans un nuage de... Paillettes! 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 Oh, est-ce que vous savez quelle heure il est? Quoi? Toutes ces paillettes ont séché sur ma crinière! Désolée tout le monde, ma magie d'alicorne n'en fait qu'à sa tête, vous voyez? Je ne peux plus la contrôler. Peut-être qu'il te faut un mot magique, quelque chose qui t'aide à faire sortir ton alicorne intérieur. Oh, pourquoi pas une phrase comme « Envole-toi » ou « Vol, vol, oh, 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 je sais, alicorne, vas-y !» Alicorne, vas-y. Il faudrait encore l'améliorer. J'ai bien peur que tu n'ailles pas très loin avec ce genre d'aile. Oh, Izzy a raison, je ne pourrais être d'aucun secours comme ça. Ne t'en fais pas, Sunny. Tout ce qu'il te faut, c'est un nouveau look. Un relooking digne d'une alicorne. On va avoir besoin de dégradés, de reflets, de paillettes, de vernis pour sabots, d'un masque de boucle. Alors tu veux dire? C'est exact, la totale. Tralalali, c'est qui? Voici Ruby, son nouveau stylet sorti. Venez entrer et puis admirez ses couleurs stylées et ce look rêvé. Cahier, les sabots limés, le poil brossé, la crinière soyeuse et démêlée. C'est bien rythmé, c'est bien rythmé. Qui peut rester assis quand c'est si qu'à danser? Et voilà! Je suis pas sûre que c'est ce qu'on voulait. Waouh, Ruby, tu es douée! Je suis la suivante! Et regarde le bon côté des choses. Au moins maintenant, ta crinière cache tes petites ailes. Non, non, non. Ce n'est pas une question de crinière. Ça concerne l'inspiration. Et je ne connais rien qui puisse inspirer autant qu'un petit peu de... danger! Un peu de danger va totalement déclencher tes capacités d'alicorne. Zip, je suis pas convaincue. Qu'est-ce qu'on regarde, là? Tu es sûre? Ça a l'air... chouette! Impossible! Tu t'en sortiras très bien. Attends, il faut dégager cette crinière de ton visage. Voilà, c'est beaucoup... Ça ira. À vos marques! Prêt? Partez! Ça va? Ta pauvre crinière! Zip, tu es irresponsable! Regarde, c'est une meilleure alicorne maintenant! Non, je suis sûre qu'il faut d'autres mots de transformation. Pourquoi pas sabot crantastique super canter logique extra! Une nouvelle tenue d'alicorne ferait l'affaire. Peut-être quelques accessoires supplémentaires. Peut-être que je devrais ajouter du feu sur le parcours. Sunny, qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment un désastre complet. Je pensais bien de te trouver ici. Ruby m'a raconté tout ce qui s'est passé. Est-ce que ça va? Tous les autres poneys semblent grandir tellement vite. C'est comme si j'étais bloquée. Tu as aidé tous les autres à croire en la magie. Maintenant, c'est à toi de croire en ta propre magie, Sunny. Ici. Merci, Hitch. Si seulement c'était aussi simple que ça. Oh! Oh non! Les poulains! Allez, Sunny, tu peux le faire! Les poulains ont besoin de toi! Maintenant, j'aimerais juste trouver comment éviter les paillettes. Je savais que tu réussirais, Sunny! Nom d'une paillette! Ce sera vraiment la meilleure surprise du monde! La voilà! Thunder, allume-les! 3, 2, 1... Je l'ai fait, des géants! Oh,
pensais que tu étais la reine. Vous imaginez, moi la reine. Eh bien, bonjour, votre majesté. Et maintenant, on a gâché tous les feux d'artifice. Oh, je savais bien que ça arriverait. Zip, tu n'as pas besoin de feux d'artifice pour montrer à la reine à quel point tu tiens à elle. Et ça tombe bien, parce qu'on n'en a plus un seul. Oui. Peut-être qu'elle est juste en retard. Non, je sais exactement où elle est. Qu'y a-t-il ensuite sur la liste royale, Zoom? Eh bien, nous sommes un peu en retard, votre majesté, mais pour le point 81, vous étiez censé... Oh, retrouver mes filles au parc royal? Oh non... Tiens, en voilà une surprise surprenante. Tu avais promis de nous retrouver au parc. J'ai même pris rendez-vous avec Zoom cette fois-ci. Ne pas honorer un rendez-vous est vraiment malpoli, mère. Et le jour de la fête des juments, tu exagères. Je sais, je suis désolée de ne pas être venue, ayant ce jour si spécial. Oh, croyez-moi, il n'y a rien que je voudrais plus que de faire une pause dans mon rôle de reine. Mais il y a tellement de choses à faire. Et si on te permettait de faire une pause? On va s'occuper de toutes tes obligations de reine pour le reste de la journée. Vraiment? Tu veux être la reine maintenant? Je t'en prie, maman, ça ne doit pas être bien difficile. Oh, d'accord, Zoom fera en sorte que vous ayez tout ce qu'il vous faut. Bonne chance! Bien sûr, votre majesté! Je leur transmets votre liste de tâches royales maintenant! Oh, ça n'est pas si terrible! Est-ce que vous avez vu ça? Et ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Eh bien, ce sera amusant, pas vrai? Tâche 82, le portrait des poulains nouveau-nés. Revenez ici. Tâche 97, la grande ouverture du terrain de jeu royal. Ça sera facile. Spectacle déconcertant. On doit couper ce ruban. Continuez sans nous. J'espère vraiment que tout se passe bien. On a réussi! On est en retard pour le dîner, mais on a tout fini. Et comment ça s'est passé? Un poulain nouveau-né m'a fait un œil au beurre-noir. Votre reine est plus difficile que ça en a l'air. Regarde cette crasse dans ma crinière. Je n'utiliserai plus jamais de ciseaux de ma vie. La vérité, c'est que même en étant tous les cinq, on a bien failli ne pas réussir à accomplir toutes les tâches de ta liste de reines. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça tous les jours. Oui, je crois que c'est nous qui avons été injustes tout à l'heure. Tu es vraiment une reine incroyable. Ça me fait plaisir de l'entendre, Ruby. Merci beaucoup. Oh, tu penses vraiment à tout. Bon appétit, tous les poneys. Voici l'infinie puissance du grand Sabotini. Émerveillez-vous quand il flotte dans les airs ou quand il fait léviter des objets. Mais comment fait-il? C'est miraculeux. Waouh! À mon avis, il utilise des fils. Les poneys ont de la vraie magie maintenant. Oh,
Oh, c'est peine perdue. Depuis que la vraie magie est revenue à Equestria, plus personne ne s'intéresse à mes tours. Quoi? Mais enfin, ça ne peut pas être vrai. Tu es le grand Sabaudini. Juste à déplacer sa maison. Alors, où est-ce qu'on la met? Tu vois, c'est fini pour moi. T'es un poney terrestre. Pourquoi ne pas utiliser ta magie qui fait pousser les plantes? Elle est tellement géniale. Chaque fois que j'essaye de cultiver des plantes, ça prend une éternité et j'oublie de les arroser et elles meurent. Mais je n'ai aucune magie. Je ne sais faire que des tours. Et maintenant, ils vont tous finir à la poubelle. Heureusement pour toi, ma spécialité, c'est en quelque sorte de donner une seconde chance à tout. Tu vois, des déchets changés en fabuleux... Le papillon! Tada! Oh! Un peu lourd. Allez, on va te transformer en quelque chose de génial et de nouveau! Alors, un aspirant shérif, hein? Eh bien, c'est un super métier, mais très exigeant. Tu dois être hyper conscient de ton environnement. Est-ce que tu viens d'avaler la clé de la cellule? Et pourquoi t'as fait ça? Désolé, je suis un artiste de l'évasion. Avaler des clés est notre spécialité. Et les cartes aussi. Sabaudini sera un gardien incomparable pour protéger les joyaux de la couronne. Quel joyau de la couronne? Où ont-ils pu aller? Comment a-t-il fait ça? Donne-moi un thé alphabet à la menthe aromatisée. Tout de suite! Ta-da! Oh. Je ne vais pas payer tout ce thé que je n'ai pas commandé. Oh, c'est sans espoir. Mes tours ne conviennent nulle part. Je ferais mieux d'abandonner Sabaudini et redevenir le simple refuge. Non, c'est seulement que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le bon moyen de t'unicycler. Oh, pas de réseau! On a raté la vidéo en direct de Ruby! Il faut tenir vos téléphones beaucoup plus haut que ça! Ah, pas étonnant que ma magie n'impressionne plus personne. Tous les poneys peuvent le faire. Oui, du réseau! Je ne vais pas rater la nouvelle vidéo en direct de Ruby! Je n'ai toujours pas trouvé d'idée pour mon entrée fracassante sur scène. Visage triste. Étonnez-moi avec vos suggestions en commentaire. Oh, je vais l'aider alors. Fais attention. Oh, un poney qui tombe du ciel. Au secours, il faut l'aider. Attention. Inutile, elle tombe trop vite. Si seulement ces lianes étaient plus longues! Poney Kadabra! Je le savais! La magie des poneys terrestres est en toi depuis le début! On dirait bien! Il me fallait une bonne raison pour qu'elle apparaisse! Tu as sauvé Glory! Tu n'es pas qu'un magicien! Tu es un héros! Qu'est-ce que je disais, hein? Rien ne doit rester dans la benne à déchets! Vive l'unicyclage! Et pour ton prochain tour... Bienvenue, les amis! Voici Sabaudini, aux commandes pour ma nouvelle entrée fracassante sur scène! C'est magique! Qu'est-ce que t'en penses, Izzy? Miraculeux!